Oh! Deuxième fois qu'on joue ce personnage. Fort intriguant, ma foi. Notamment par sa nudité un peu excessive. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on n'en sait pas plus sur elle. Je pense qu'on va enfin en apprendre un peu plus. C'est Jojo le Mécano? Non, c'était pas Jojo le Mécano. Il y a un mécano qui s'est occupé d'une voiture pendant 2 ans, qui la faisait tourner toujours et tout ça. Bah voilà le résultat, quoi, dès qu'on vient la chercher. En feu, retourné à côté de l'autoroute, quoi. C'est très fort. Il s'est donné tant de mal pour si peu. Bon, l'avantage, c'est que cette fois-ci on n'est pas à poil. Oh bordel. Pourquoi? Mais c'est le motel de Ethan. C'est l'angoisse qui Mais prévaut qui est ici, cette femme? alors qu'on est toujours sans Qui nouvelles du es-tu? petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De sources policières, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux Oh, ongles l'Amérique. qui serait derrière cette nouvelle disparition. America! Information Ok. intéressante, mais on sait qu'il laisse la plupart du temps Hey, salut sentiment ma jolie. entre 3 et Qu'est-ce 5 que je peux jours faire après pour vous? l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes les Quelle féministes? chambre? Le délai dont disposent les Tout ce enquêteurs que vous s'ils voudrez, veulent retrouver poupée. l'enfant vivant. Mmh. C'était Michael Neddy. Remplissez le Voici. registre. Oh là là là. Je ne sais que dire face à cette hérésie. Madison Page, 27 ans, célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, Ça sert Madison à quoi Page? tous ces Je sais pas détails, encore. hein? Mais pourquoi besoin de Chambre ça? 201. C'est l'escalier à droite Je dans la comprends cour, pas au là. dernier étage. Merci. Pourquoi est-ce que mon personnage a Votre écrit plaisir célibataire était pour dans... moi. J'en doute pas. Elle fait exprès, c'est pour le titiller, c'est sûr. Non mais j'espère que c'est pas demandé dans le formulaire de l'indiquer quand même, parce que là, ça mérite la mort. Les motels aux USA sont obligés de tenir un registre. Alors oui, ça j'imagine bien. Ce que j'imagine un peu moins, ce que je trouve un peu plus bizarre, c'est le fait de devoir marquer que t'es célibataire ou pas. Un peu étrange quand même. Vraiment très bizarre. Mais elle a dû faire exprès pour le titiller, c'est sûr. Laisser ma moto ici, je suis pas convaincu. Hein. C'est pas une bonne idée. Hein. Sous la pluie, là. C'est pas une vraie motarde, sinon elle l'aurait couverte. Ah, il y a vraiment 600 étages, mais j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit en plus. Oh zut. Il m'avait dit premier étage, non? Oh, je sais plus. Ah, ça doit être là. Hein. Oula! Ethan, que fais-tu? Monsieur? Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Ah ouais, comme la voiture. Quelle bonne blague là, non? Un petit peu là, quand même. Vous pouvez pas? Trop marrant. Ok, on y est déjà. Bon, allez, on était juste à côté. Hein. Je pense que ça va partir en steak. Dans cette chambre, si tu peux me permettre. Disons que notre première expérience avec le personnage féminin était assez douteuse. Donc, oui. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. On n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Oui, j'imagine. Ouais.
Oh. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Ah, j'imagine ce que ça va faire d'avoir des côtes cassées. Pas la sensation de douleur, mais la sensation, vous voyez, de des os qui sont à des endroits où il faut pas, vous voyez, des petits bouges, qui font des 3-6-noscopes, des petits pics dans les muscles, parce qu'ils se mettent de travers. C'est bien dégueulasse, quoi, vraiment. Waouh, quelle délice! Qu'est-ce que c'est fait, mais. Et il m'énerve dans ce jeu les persos à faire demi-tour tout le temps. Dès qu'il rencontre, je sais pas, j'ai l'impression l'arrêt d'une hitbox, il se décide de faire demi-tour. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Quel plaisir hein, d'entendre la voix de Lara Croft, hein, vraiment. L'original. Hein. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. J'ai d'ailleurs que j'ai testé tous les premiers Lara Croft, donc du 1 au 5. Et malheureusement, ils sont beaucoup trop vieux. Déjà, ça peut même pas faire tout l'écran. Enfin, c'est très. C'est... Donc, ce qui est sûr, c'est que je les ferai peut-être certainement jamais en live. Par contre, à partir de tout ce qui est Tomb Raider Legend, Underworld, Anniversary, tout ça, là, je les ferai et les derniers aussi, évidemment. A plus, bonne journée à toi, pas de soucis. Gros bisous, Alexios. Antibiotique Necofren 100. Et à très bientôt. Administré en cas de risque d'infection. C'est ça qu'il faut. Infection, là, non? C'est ça qu'elle m'a dit. Tiens, infection, là. Tenez. Prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Un antibiotique. Un antibiotique? Je ne suis pas médecin, mais je ne crois pas risquer l'infection avec une côte cassée. Et la tête? Je vais voir si je trouve autre chose. Mais la tête, la tête! L'infection du cerveau! Ah, oh, bordel. Mais c'est pas elle qui a parlé d'infection tout à l'heure? Oh, je dois confondre. Ah, oh, c'est terrible. Antifièvre paraphénol. Administré en cas de forte fièvre... Oh, bah, c'était le premier truc, en fait. Ah, ils sont en train de m'embêter, là. Hein. Non, mais... Ah, vu qu'il y a une animation, elle lève les pieds, c'est forcément ça. Sa plaie a besoin d'être désinfecté. Ah, bah, c'est ça. Ah, non, c'était pas infection, c'était désinfecté. Et dans infecté, désinfecté, il y a infection. C'est pour ça que j'ai cru qu'elle parlait d'infection. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. En tout cas, c'est super comme motel. Il y a des médicaments et tout ça. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. De rien. C'est cadeau, c'est pour moi. C'est moi qui régale. Et là, c'est celui-là qu'il faut. Non, c'est quoi ça? Antidouleur paracomol. Ah ben. Bon, voilà. Administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. D'accord, d'accord. Moi, j'attendais qu'elle me dise. Ok, c'est ça qu'il faut que je lui donne. En fait, il faut tout donner sauf un truc, quoi. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Oh là, oh là, oh là. Je n'ai pas le temps d'attendre. Calme-toi. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok, je vais vous aider. Allez-y, allez-y, merci. Je peux vous déshabiller si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et je peux venir avec vous aussi. Là, non, ou pas? Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Ah, ça va, ça. Prenez-moi si vous vous sentez mal. Oh, il ferme même pas. Oh, c'est fait exprès, c'est pas possible. Non, mais c'est du pur trolling. Bah, je regarde, vas-y, voyons voir pour voir. C'est juste. Vous devriez c'est... me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi, à titre d'information personnelle, hein. N'inquiétez pas. C'est pour avancer dans l'enquête. Madison. Vous logez aussi dans le motel? Mais si je regarde, je peux pas répondre. Donc faut pas que je regarde. Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous? Je suis juste de passage dans la région.
Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Oh! Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Donc c'est nul, quoi. Et vous? Quel métier pourri. Je suis architecte. Ah bah ils vont bien s'entendre. J'aimerais regarder si possible. Oh, je peux plus regarder. Ah, il a fini, bah c'est pour ça. Ah mais pendant qu'il fouille, je peux regarder les origamis, non? Ah, il va devenir fou. Ah, du coup, le fait de l'avoir laissé sur la table, ça va pas me porter préjudice par rapport à la police? Peut-être que grâce à ça... Ah non, ah, non, elle veut pas regarder. Ouais, elle doit juste se dire que c'est des chaussures, quoi. Dommage, je voulais obtenir des informations. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Il a fait vite, hein. Bon. Ok, je vais y aller. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, oh, en fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ouais. Ethan. Dites-moi plus. Soyez prudent, Ethan. See you later. C'est sûr, on se reverra. Il va se passer des trucs plus tard. 1000% accurat ici. Oh mon dieu. Nous avons changé de personnage. Ok, je devrais être prêt à souffrir, déjà que je ne souffre visiblement pas assez, hein, d'après tout ça. Centrale électrique, hein. Ça fait très peur. Hein. N'oublions pas, hein, si j'ai des côtes cassées, je suis pas sûr qu'on fasse ça comme ça, hein, vraiment.